Eh ben oui, hein, bon pied, bon oeil, avec le père Thomas. Père Thomas, il va pas aujourd'hui. Il en manque de... Il manque du café ou quoi? Non. Ah, on rigole. Ah, on a commencé les lattes PVC, on a percé, ça y est, les LED de la cuisine, ça a été catastrophique, parce que ça a été à la dernière minute, à l'arrache de chez Arrache. On savait pas, en fait, avec Salma, à la base, on voulait pas faire ça, on voulait mettre des meubles hauts avec des LED qui sont incrustés dans les placards en bas. Le problème, c'est que là, on n'a pas le temps de le faire. On n'a pas les thunes pour acheter le placard. Donc, du coup, on a fait une solution bah, comme à la chambre. On a fait du perçage de PVC pour pouvoir mettre des spots qui seront du coup légèrement inclinés. Mais ce n'est pas très grave parce qu'on a regardé avec Thomas, en fait, l'angle du faisceau lumineux, en fait, ça évite qu'on fasse de l'ombre quand on cuisine. Et ça, je n'y avais pas pensé. Quand je suis cuisine comme ça, si j'ai le spot au-dessus de la tête, eh ben, j'ai l'ombre, mon ombre qui vient en bas sur la planche de découpe ou autre. Alors que là, il va venir le faisceau comme ça. Donc, du coup, j'ai pas l'ombre et c'est plutôt intelligent. C'est plutôt judicieux. Merci monsieur Thomas, parce que ça c'est une idée du monsieur qui est là. Oui. Donc voilà, on va finir ça pour cet après-midi, parce que pareil, des lattes PVC, j'en ai pas 60 millions. Et puis, on va les manger, hein, parce qu'on a un couscous qui nous attend à la maison, donc du coup, il fait faim. Voilà les copains, à plus tard, des bisous. Bon les copains, alors, on a vachement avancé sur le toit PVC de la pièce à vivre, hein, voilà. On a fait les découpes de spots et tout ça, il m'a installé branché. On a fait celui des toilettes qui est là. Voilà. La minette qui est là-bas. Qu'est-ce que tu fais, ma minette? Elle peint. Elle est en train de peindre la chambre. Salut, salut. Et puis, bah, nous, on va continuer avec le PVC. Alors là, ce qui est casse-tête, c'est quand on est dans la chambre, les deux lattes qui viennent ici, en fait, les lampes viennent au milieu, sinon c'est pas centré. Donc du coup, il faut jointer les deux lattes et percer en même temps. C'est pas facile à faire. C'est du PVC, c'est très fragile. J'ai monté une boîte de dérivation ici pour les lettres de la cuisine qui n'était pas prévue. Donc j'étais obligé d'imaginer quelque chose de rapide et de assez propre. Après, peut-être que ça changera avec le temps. J'en suis pas sûr, mais bon, on verra. Pour l'instant, ça va rester comme ça. Et puis, on va avancer tout doucement. Il fait chaud, la chaleur est revenue là. Ça y est, donc bon, il faut bosser dans des conditions un petit peu compliquées, mais on y arrive. Et puis, on a Siem aujourd'hui qui est venu nous rejoindre. Tu dis bonjour. Voilà, donc c'est parti. On va continuer tranquillement les copains. Des bisous, à tout à l'heure. Bah ça y est, on a bien travaillé. Hein. Il m'a viré. C'est fini. Non. Voilà, on n'est pas comme ça. Il y a un truc comme ça. Non. Donc on a avancé aujourd'hui. Vous voyez, on a commencé, je vous l'ai montré. Voilà, on a fait les lames PVC. Alors là, ce qui a été long, ça a été de faire tous les câblages, les passer dans les trous, faire les découpes du PVC. C'est pas toujours quelque chose de facile. Donc on a fait, je vais vous montrer ça après, je vais passer de soi en travelling pour vous montrer un petit peu. Bon, la journée s'achève un peu tôt parce que ce soir on a des trucs à faire, donc on est obligé de s'arrêter même s'il fait encore jour. C'est pas très grave parce que de toute façon, je crois que ce qu'on avait à faire aujourd'hui, on a quasiment tout fait. On n'a plus de lame PVC, il faut aller en racheter lundi. On n'a plus de parquet, on n'a plus de... Voilà, donc c'est du bricolage, c'est du... Bon voilà, on fait ce qu'il reste à faire. La minette, elle a fait la peinture de la chambre, je vais vous montrer la jupe du lit qu'elle a fait en marron. On a bien avancé, donc on continue sur ce mouvement. On se continue sur ce mouvement parce qu'effectivement, il faut encore continuer à faire plein de trucs. Donc, il faut aller vite. Donc, on met toutes les choses en œuvre pour pouvoir aller au plus vite. Voilà. Ce matin, on a bossé comme des dératés. Du coup, on n'a pas pu filmer un peu. Donc, on va filmer là avant de partir manger. Maminette ! Salut. Regarde ce qu'elle a fait un peu avec ses bras, là, la cousine. Regarde ça un peu comment qu'elle est forte, là. Hein ? Il y a que des muscles, là, mon cousin. Regarde-moi ça, là, putain. Bon, on va voir qu'est-ce qu'on a fait. Alors oui, je voulais vous montrer ça parce que du coup, je le dis, je le redis. Et bah oui, je fais un peu de pub aussi pour les copains. Hein. Ça, c'est la trappe-rêve. Ça, c'est la trappe-rêve des Gaulois. Voilà, qui nous ont offert gentiment pour les fêtes. Et un bisou à eux, bien sûr. On les embrasse, on pense fort. Donc ça, c'est le... Je vais vous le montrer un peu plus près. C'est la trappe-rêve de Sabrina. Voilà, qui nous ont gentiment offert pour les fêtes de Noël quand on a passé Noël avec eux en Grèce. Donc il est super joli. Alors il est fait dans le thème de la mafia noire, hein, mais après vous commandez ce que vous voulez. Donc je fais un petit coucou aussi à Sabrina et à Bruno, on leur fait des bisous bien entendu. Et aux enfants et aux petits-enfants maintenant. Bah, oui. Voilà, donc qu'est-ce qu'on a fait ce matin? On a fini avec les chutes de sol comme ça, tac, 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 on a fait l'arrondi. Là on est en train de calculer les perçages pour remettre la barre de sécurité, alors au moins pour passer la derrière, parce que j'ai peur qu'ils nous cassent la tête si on a des sièges qui sont vraiment face à la route sans protection. Au moins les premiers qui soient protégés par cette barre d'origine. Et après on l'enlèvera, on la gardera, on verra.
On a mis à nu le canapé, voilà, pour laver un truc, parce qu'il sentait, vu qu'il a été stocké pendant très longtemps, il sent un peu l'humidité, tout ça, donc on va bien nettoyer les trucs, machin. On a avancé sur le plafond de PVC ce matin, donc moi je me suis un peu emmerdé la vie, parce que tout seul, les lames de 3,50 m, c'est pas évident à poser, même 4 m, je crois. Et je m'arrête là, pourquoi? Parce que derrière, j'ai les lumières de la salle de bain, et là, j'ai vraiment aucune idée de ce que je vais faire. Donc pour l'instant, avant de faire des bêtises, de poser des lattes, de les coller, de les visser, j'attends de calculer un petit peu ça. Et Salma, elle a avancé sur la peinture arrière, donc les deuxièmes couches de peinture qu'il y avait à faire. Je vais vous montrer ça. Hop, donc voilà. Elle a barré la route là pour pas qu'on passe. Mais en gros, elle a fait... Attendez, mais je vais tourner la caméra, je suis idiot. Donc voilà, elle a avancé sur la deuxième couche à l'arrière. Donc tout est fini. L'entrée des placards ici, c'est bon. Il restera les baguettes de finition à faire. Mais bon, ça, on a le temps de le faire. Et là, elle a attaqué de faire la deuxième couche. Ben, on doit voir la différence. Hein, la deuxième couche, voilà, des chambres. Il restera un petit morceau de plaquage à faire au niveau de la fenêtre. Après, c'est des baguettes qui viennent. Et puis, il faut que je règle un problème. Ah oui, il faut que je montre ça. J'ai de l'eau qui rentre dans la doublure du lanterneau. Alors, elle ne rentre pas à l'intérieur de la cabine, mais elle est coincée ici. Là, ici, il y avait un trou pour tout simplement faire partir, je pense, la condensation. Mais le problème, c'est quand je baisse ici, l'eau dégringole par là, donc ça va pas. Donc, à mon avis, il a été cassé ou fissuré en hauteur au-dessus. L'eau s'infiltre, donc il faut, dans un premier temps, le vider. Et dans un deuxième temps, il va falloir boucher tout ça au silicone pour étanchéifier un max. Voilà, parce qu'après, on n'a pas envie d'avoir des problèmes une fois que tout est monté. J'ai pas envie que ça coule dans la goulotte qui est ici. Voilà. Mais ça va se faire, tranquillement. Voilà, voilà, voilà. Maintenant, on va faire la pause déjeuner. On va aller manger. Et puis, on vous dit à cet après-midi. On va continuer les travaux avec le père Thomas qui est là, avec Mamie Moon et Salma. Et ce soir, et cet après-midi, vous aurez en plus... El Chetan. Non. Arrête. Le diable, El Diablo, non, qui vient nous aider. El Diablo. El Diablo, qui s'appelle Sihem, la dernière. Voilà. On l'emmène avec nous cet après-midi. Allez, bisous les copains. Oh les copains, on s'est mis en toit ouvrant. Ni à enlever le bazar. Parce que j'ai de l'eau qui rentre à l'intérieur et je viens de comprendre pourquoi. Donc du coup, on l'a démonté. Et il faudra que je fasse pareil à l'avant. Hein, parce que l'autre c'est le même. Hop. Voilà, donc ça c'est le toit du lanterneau. Là, on voit bien, là, il est fissuré ici. Là. Il est fissuré ici. Donc le problème, c'est que, je vous explique, l'eau, voilà, l'eau elle stagne ici, on la voit bien bouger, en bas là, dans le coin. Et le problème, c'est que là, on a des petits trous ici, hop, des petits trous de condensation que j'ai bouché temporairement. Parce que qu'est-ce qui se passe, c'est que la flotte qui est piégée entre les deux, eh ben, elle va s'écouler à l'intérieur par le petit trou ici qui est censé laisser passer la buée, tout ça, enfin la condensation. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va percer un petit trou déjà pour faire sortir l'eau. Et ensuite on reviendra faire une petite étanchéité. Au Sika. Et puis on laissera bien sécher avec le soleil, ça va sécher vite. Et comme ça, normalement, lors de la prochaine pluie, on vérifiera que l'eau ne rentre plus à l'intérieur dans le doublage. Voilà. C'est parti les copains. Le Thomas qui est là-bas au fond, toujours avec moi, toujours. Ça c'est bien. Ça c'est bien, ça c'est un bon collègue. Donc on a fait quoi ce matin? Qu'est-ce qu'on a fait? Pas grand chose, mais on a fait un petit peu, c'est déjà essentiel. On a passé deux, du coup on a pensé à une modification à la partie avant cabine. On voulait faire une partie juste cabine avec des sièges qui sont fixés face à la route. Du coup il y a un siège qu'on va retourner, une banquette normalement qu'on devrait retourner. On n'a pas regardé si ça passait au niveau des jambes, mais normalement on devrait le retourner. Donc on prévoit deux lumières supplémentaires à la partie cabine. Alors sachant qu'il y en aura déjà d'origine, il y en a une ici, les gros blocs là, vous savez, avec les néons. Une là et une ici au milieu, juste avant le lanterneau. Donc j'y rajoute une là entre les deux sièges et pareil de l'autre côté, parce que si on y met une table, qu'on ait au moins une source de lumière qui vienne s'appuyer en bas. Voilà, on va continuer l'attache PVC par la suite. Et puis j'ai essayé de régler mon problème d'étanchéité du lanterneau. Alors je vais vous montrer ça, c'est pas tip top parce que en réalité c'est très très fragile, hein. C'est pas de la fibre, hein. C'est du plastique. Donc il avait craqué tout là, vous voyez, donc j'ai fait du jointage, il était craqué sur le côté. Et le problème c'est qu'en fait l'eau s'infiltre entre la doublure et le dessus, et puis bon elle tombe pas dans le bus, mais ça me fait une espèce d'eau qui se balade stagnante entre les deux parois.
et du coup c'est pas tip top. Donc voilà, donc on a fait ça, pour voir si ça passe. Si ça passe pas, au pire des cas, il y a deux solutions. La première, c'est faire de la fibre de verre, c'est redémonter le lanterneau. Fort heureusement, il se démonte bien, il y a que 2, 4, 6, 8, il y a que 8 vis qui sont fixées sur les manettes. Donc si jamais ça ne tient pas, ou que je vois que c'est léger, ou que j'ai de l'eau encore qui s'infiltre dedans, on fera de la fibre de verre. Soit sinon, la solution la plus rapide mais la moins économique, ça serait de commander de dessus de lanterneau chez Irisbus. Voilà. Mais bon, on n'est pas là. Pour l'instant, on va voir. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Donc aujourd'hui, on va essayer d'avancer un petit peu plus. Il y a Thomas qui est parti. On a fini les couches de peinture, en fait. Les deuxièmes couches de peinture dans les chambres, dans les toilettes. Et Thomas... Donc il est en train de nous attaquer le... Hop, je vais me mettre comme ça. Il est en train de nous attaquer le parquet flottant dans la chambre. Alors c'est un peu casse-pied parce que là effectivement il y a de la découpe avec les trappes qui doivent rester accessibles. Donc il faut couvrir la trappe, il faut découper, il faut prendre les mesures. Voilà. C'est un peu du travail de mosaïque, on va dire. Hein? En fait t'es un artiste Thomas, je ne le savais pas encore. Ah non. J'ai une nouveauté. Donc voilà, on va continuer ça et puis on vous montre pareil la suite des avancements. Et je suis toujours en décapotable, ça c'est pratique. Si je veux monter sur le toit, je sais que... à la base c'est une issue de secours, hein. C'est pour ça aussi qu'il se démonte comme ça en réalité. Hein. Parce que si tu tires la manette rouge qui est là, ça fait péter le toit comme ça et on peut sortir par le truc. Donc voilà. Voilà, allez on va continuer copains. Bon les copains, on est toujours sur les lattes PVC du devant. Alors là, on y a rajouté effectivement une LED, une petite LED qui me restait en 24, faut que je recommande. Une petite LED comme ça, pour avoir, donc si ici si on tourne, on fait une partie salon, ça nous donnera une petite lumière comme ça au-dessus de la table. Et du coup, je me ponte, non pas sur la batterie cellule, mais lui, il va être ponté sur les lumières d'origine qui viennent ici se fixer, tac tac, dans la partie cabine avant. Donc j'en ai une, j'en ai deux, et j'en ai... qui vient ici, et les perçages qui sont juste là. Voilà, et là il y en aura une autre, effectivement, une autre en face, une LED ici en face, donc sur les deux autres sièges ici. Donc ça fera une, deux, trois, quatre, cinq parties, cinq trucs, voilà. Cinq lumières pour éclairer le devant. Thomas, il est toujours sur son parquet qui flotte. Faut dire qu'il a le pied marin. Elle était bonne. Et la minette, on voit, je sais pas si on le voit de là, mais on voit les... On voit la minette, on voit son pantalon léopard. Elle est en train de faire la peinture deuxième couche de la jupe du lit. Voilà, et Thomas qui est en train de poser donc le parquet des chambres. Avec les coffres, faites pas de coffres. Ouais, c'est vrai que c'est un peu galère à découper. Faites pas de coffres. Mais bon, il s'en sort comme un chef. Chef Thomas. Voilà, donc on continue sous une chaleur effrayante. On n'a qu'une envie, c'est d'aller sauter dans la rivière qui est de l'autre côté là-bas. Et puis voilà, c'est parti les copains, on continue dans la joie et la bonne humeur. Je cherche mon scotch. Où es-tu? Ah, il est là-bas, Minette, tu peux le passer s'il te plaît. Mon scotch jaune. Ah, celui-ci? Yes, thank you very much. You're welcome. Bon, une chose qui est sûre, c'est que tu t'appelles Thomas. Non. Même ça, c'est pas sûr. Non, c'est pas ça. C'est le faire pour les copains, c'est bien parce que quand tu le feras pour toi, tu le feras mieux. Alors ça, c'est pas faux. Prends-le pour un apprentissage. Ah, parce que là, je vois qu'on aurait pu faire vraiment dans l'autre sens. Mais ça sera pas possible aussi. Dans quel sens? C'est-à-dire comme ça? Non, c'est qu'on a commencé par la chambre. Pour économiser, le problème il est toujours là. À économiser, on fait beaucoup d'erreurs par la suite. Il aurait été plus simple de se fixer sur tous les coffres. Parce que là, il y a un coffre, là il y a un autre coffre et là il y a un autre coffre. Et maintenant, j'allais couper. Oui. Mais là, on a plein de raccords. Pour économiser dans les planches et pour pas faire des petits morceaux et des petits morceaux, on les a mis là dans la longueur. Et on avait très peu de pertes. Oui, peut-être. Mais dans la longueur du coffre, qui s'arrête là, celui-là il est en
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 morceaux. Il aura pu être en 3. Non. Donc si vous faites des coffres, c'est pas un problème. Mais ayez le matériel qu'après vous allez recouvrir, comme ça vous passez sur la largeur des planches. C'est beaucoup plus simple. D'accord. C'est pour ça qu'il y en a qui sont ingénieurs. C'est vrai. Peut-être. The chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. Alors aujourd'hui, une journée compliquée. Enfin, compliquée, on a avancé quand même, hein. Mais une journée compliquée, je me suis pris la tête sur les branchements. Je vais vous montrer ça. Et puis on a avancé du coup sur l'embris PVC. Hein. Du coup, on a fait un gros morceau aussi. Hein. On est quasiment. Là, on est en train d'éviter le lanternon. Je vais vous montrer aussi. Voilà. Thomas, il a vachement bien avancé aussi sur le parquet. Je vais vous montrer aussi. Et je vais vous expliquer. Donc, je vais commencer par vous montrer le parquet de la chambre. Voilà. Donc, Thomas, il s'est bien pris la tête en réalité parce que en fait, on a fait. Vous vous rappelez, on a fait des trappes au mur. Donc, du coup, il faut faire le parquet flottant. Il faut le découper à chaque fois qu'il y a une trappe. Et après, il va falloir percer pour passer les doigts, etc., pour lever les trappes, etc. C'est un peu, c'est très compliqué, c'est casse-tête. En réalité, en une matinée, enfin une journée, on dirait qu'il n'a pas travaillé beaucoup sur le truc, mais franchement, il a passé des heures parce que c'est très très compliqué au niveau des découpes. Et il a fait du super travail, on est super content. Nous, on a fait quoi, Maminette? On a fait les lattes PVC. Moi, j'ai fini ma deuxième couche, Charles, là. Ah oui, tu as fini la peinture, le marron, Maminette, elle a fini le lit. Et là, du coup, on a rattaqué donc ici une partie de la PVC. Donc là, bon, il y a le raccord qu'il faudra bien sûr faire. Et on est arrivé, on va passer. Donc là, on a quasiment tout fait le lanterneau. La prochaine qui rentre là, c'est une entière qu'il faut juste découper, comme de l'autre côté en fait. Et on s'est pris la tête. Alors oui, on s'est pris la tête sur ça. Vous voyez ça? On s'est cassé la tête dessus. Voilà. Ça, c'est les lumières d'origine du bus, du couloir. Donc c'est-à-dire qu'à l'époque, ben, il y en avait... jusqu'au fond. Et moi j'ai dit j'en veux pas parce que ça c'est branché sur les batteries du véhicule, donc du coup je veux pas des trucs qui allument le bus avec les batteries du véhicule. Il faut de la batterie qui soit branchée sur la batterie cellule. Et j'ai dit quand même, je vais quand même en garder un à partie cabine, parce que j'ai dit au cas où, voilà, ça permettra d'avoir la lumière au bouton qui est ici. Voilà, donc du coup j'en ai gardé un. Et ensuite à partie cabine, on a dit peut-être on va faire un salon, donc du coup j'ai dit je vais rajouter une LED. Mais cette LED, fallait la raccorder. Et vu que c'est la partie cabine, j'avais pas envie de la raccorder avec la partie habitation. Donc du coup, on a fait un micmac pour se brancher sur le gros truc, qui est super complexe parce qu'en réalité, ça fonctionne avec un néon. Et puis ça fonctionne avec quatre petites veilleuses indépendantes. Donc les branchements, vous voyez, c'est des branchements comme ça. Et c'est assez compliqué. Donc on a mis du Wego Wego Wego. Et puis là, petite interlude. Et là, il y a une deuxième LED qui vient ici, donc on est dans la partie salon. Pardon, ma lunette. On aura en réalité une, les veilleuses et une autre LED. Voilà, donc ça sera en triangle. Et ensuite, tout à fait devant, encore ça, c'était d'origine. Ça, c'est les LED, les lumières en fait, qui éclairent la partie conducteur. Et on a une autre qui arrive ici, pareil. Voilà. Donc on s'est pris la tête, mais bon, il fallait faire. On l'a fait. On a presque fini le PVC. Alors on a pas mal de petites chutes, ça c'est très 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 pénible, parce que quand on fait les lanternes, effectivement, ça nous fait des chutes comme ça, qui sont pas réutilisables sur le plafond. Alors on va trouver peut-être un truc pour les faire. Hein. Monsieur bah, Thomas, je suis viré, je me casse. Voilà, il est viré. Ah, et puis pour la peine, t'auras pas ton salaire. Ouais, j'en ai pas besoin de toute façon. Non, on rigole, de toute façon on n'a pas de thunes alors. donc on finira l'attache PVC demain je pense, et normalement si je ne m'abuse, on a recommandé des petites LED avec Salma parce qu'il nous en manquait 5, on avait mal calculé, mais bon après vu qu'il y a eu des modifications au niveau de l'agencement et tout ça, donc on a recommandé 5 LED et puis on les attend, et puis dès qu'on les aura on pourra finir
les branchements manquants. Voilà. On va finir la journée sur ça, il fait très très chaud, on a très très soif et on a tombé toute l'eau qu'on avait. Donc on va arrêter puis on recommencera demain matin. Bon pied, bon oeil. Des bisous les copains. À plus tard, vous dites au revoir aux copains. Ciao. Voilà. Il est midi, bah oui, on attaque la journée à midi nous quand on est nomade. La Milette! Moi j'étais là à 7h30. Mytho, il était en train de se baigner à la rivière. Bon les copains, on avance, on continue d'avancer. Lame PVC, on va arriver à court de lame PVC. Alors j'en ai dans là-bas, mais le problème c'est que je suis pas sûr de l'état parce qu'elles ont été jetées. Je sais pas qui a fait ça, je veux pas le savoir, j'ai pas envie de faire l'investigation. Mais ça m'en a abîmé 2-3, donc je récupère. On est en train de regarder à passer les chutes là, du coup sur le retour de la cuisine, là où il y a le frigo qui vient, ça fera peut-être plus fini, plus propre, blanc, etc. On va voir, ça me fait chier de jeter le PVC qu'on a acheté, même si c'est des petites chutes, je pense qu'il y a toujours moyen de faire de la récup, au lieu de jeter tout le temps, jeter, consommer, racheter. On a démonté le lanterneau de devant, alors du coup, il a plu cette nuit. Et a priori, il n'y a pas d'eau qui est rentrée dans le lanterneau dans la doubleur. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Après, il faut voir à la longue si ça tient. Et comme je disais, sinon, on envisagera d'autres options. Donc on a enlevé le lanterneau de devant là-bas. Pareil, on a fait décapotable. Et puis, on va essayer de le vider et puis de faire pareil, hein, faire une étanchéité. J'ai vu qu'il était fissuré à peu près au même endroit. Donc ça doit être un endroit qui est super fragile. Voilà, voilà. Qu'est-ce que tu as touché, ma Milette? Je sais pas, faut que je regarde au niveau de la nappe. C'est blanc. Bon voilà les copains, on va continuer, des bisous, à tout à l'heure, on vous montre le résultat normalement. Ah oui, j'ai remis on a remis la lumière centrale, vous savez qu'on a monté là, qu'on s'est un peu embêté à monter. On l'a mis, on a mis le cache, etc. Bon, voilà voilà les copains, à tout à l'heure. Ça y est, on termine cette vidéo avec le premier, on voulait faire partager ça quand même. Hein. Le premier repas, vrai repas on peut dire. Super. Ah, le pauvre, ça fait 4 jours qu'on l'a pas alimenté. Non mais si, hein. C'est le premier vrai repas en réalité qu'on fait dans Corleone. Bah oui, c'est vrai. On avait mangé des sandwichs, on avait mangé des casse-dalles, mais là, c'est le vrai repas avec une vraie cuisine, presque une vraie cuisine, on peut dire, et un vrai canapé. Donc voilà les copains. Il me fait des blagues. Je peux pas prendre mon sérieux, tu vois, parce que toujours il fait des conneries. Bon, je vous explique juste avant de quitter la vidéo, avant de fermer cette vidéo, je vais juste vous expliquer ce qui se passera dans la prochaine. On est en train de. Donc j'ai mon lanterneau que je vous disais là, qu'il faut que je fasse les temps de chier. Étanchéité, ouais, c'est ça. On a commencé la peinture du deuxième lanterneau qui était gris, on l'a passé en noir comme celui de la chambre. Là, j'ai de la peinture noire, j'ai les sièges à faire. Donc là, Salman les a bien nettoyés tranquillou. Donc là, on va pouvoir les peindre tous les cadrans en noir. Et on va pouvoir commencer à fixer l'avant du parquet flottant avec les sièges, parce qu'en réalité, c'est les sièges à l'avant qui vont tenir le parquet flottant fixé. Et on a laissé bien sûr des joints de dilatation de chaque côté. Voilà. Et après, il faut mettre les baguettes, etc. C'est du travail, c'est du fignolage. Et je pense qu'aussi, on va commencer à attaquer la chambre des filles, du coup, à faire les lits. On a acheté les tasseaux hier. Et donc, on va commencer. Voilà, les copains. On vous laisse sur ça. On vous dit, du coup, à vendredi. Ratez pas, soyez fidèles au poste. On vous fait des gros bisous, les copains. Et puis, si t'es pas abonné, abonne-toi à la Mafia Nomade. Si t'es pas abonné, abonne-toi au secret jardin des amis Thomas et Alice. Secret jardin. Ciao. Bye bye. Quel enthousiasme. Dès qu'il y a de la bouffe, ça y est, on les a perdus. Bon, bisous tout le monde.